chirurgicale se passe à merveille. On a gardé les fondamentaux, une très bonne organisation, un palais des congrès bien rempli. On est vraiment ravis parce qu'effectivement, on voit beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de jeunes kinés installés. Et puis on a eu la chance de faire venir des kinés un peu extérieurs à notre groupe qui ont pu apporter beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un échange réel qui se crée. Après, il va y avoir aussi des cours sans équipe en territoire de la Il va y avoir au début une perte de réflexion active et un ratio de dans l'école de qui n'est pas une structure qui ça, c'est pour l'examen de la face postérieure à la cheville dans son anatomie cutanée. Puis depuis des années, effectué par nos sociétés savantes, que ce soit celle des chirurgiens orthopédiques, de l'arthroscopie, des... Il y a à peu près 0,1 mm par an. Au niveau de la PTG, ça a changé l'autopratique, parce que ça peut se faire très facilement. En charge classique, tout procédé qui permet de travailler sur la connexion entre le cerveau et les muscles. Car si on prend la technique de l'araignée, hein, de faire évacuer un hématome, il est présent dans la cuisse. Et ça fait partie de moi. Qui rassemble au total plus de 500 patients. Ils ont été opérés. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut adapter cette chirurgie ambulatoire? Et quand vous le voyez rentrer, vous ne savez toujours pas pourquoi il est là. On ne l'a pas dit. Nous avons décidé d'être présents dans cette manifestation à Aix-en-Provence pour pouvoir avoir un premier contact. Et effectivement, on est très contents parce qu'on rencontre plein de kinés qui s'ouvrent à des thérapies complémentaires, un bilan extrêmement positif, plein de rencontres intéressantes. Et puis bien l'envie de continuer et de revenir pour un autre événement. La vocation d'être présent aujourd'hui dans ce congrès, c'est déjà de présenter l'association qui défend les intérêts des professionnels de santé, d'accompagner les praticiens sur leurs problématiques assurantielles et pouvoir faire connaître notre association. Venir à ces congrès-là est très important parce qu'on a une proximité auprès des praticiens, des chirurgiens. Ça nous permet de les rencontrer, de leur faire voir notre métier, de parler avec eux, c'est très enrichissant. Toutes les interventions étaient intéressantes et ça permet de remettre un peu à niveau ses propres connaissances et de voir de nouvelles approches et de nouveaux horizons pour notre travail. Première fois je viens à cette réunion, j'ai trouvé ça plutôt très très intéressant, les échanges étaient très technique et en même temps très abordable. On est dans des congrès, on est dans des colloques justement pour en apprendre, pour être au courant, pour se tenir au courant des nouvelles techniques, pour partager et pour avancer. On est en mouvement quoi.